Yo tout le monde, c'est Spizzy. Écoutez, aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts pour une sortie en mer? C'est un jeu français, le plus beau simulateur des simulateurs, parce qu'en fait, c'est tout simplement des vraies images. C'est parti, on est tout de suite plongé dedans. C'est un simulateur de noyade et moi, pour de vrai, j'ai fait plein de cauchemars où je me noyais et j'ai un peu peur de l'eau dans la vie. Voilà, je me confesse à vous actuellement. Et sans déconner, ça a l'air ultra réaliste. En plus, c'est en français. J'ai absolument envie de tester. C'est parti. Oh, c'est le Gravity de la mer. C'est Charles. Ouais. Oui. Charles. Hey, quelle belle journée là. Oh. Ouais. Oh là là. Ouais. Tu prends la barre 2 minutes. T'es sûr là? Ouais. Attends, par contre ils sont pas très bons acteurs. Allez. Ok. Comment on va tomber à l'eau? C'est ça que je me dis en fait. À quel moment tu tombes? T'es bien là? Va y avoir une tempête d'un coup? C'est ça? Non? Ouais, en plus il est accroché et tout. Oh là là. Quoi? Il y a du vent. Je fais quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, je fais quoi? Julien! Quoi? Attention! Quoi? Oh, il s'est pris le mât! Il s'est pris le mât, le boulet! Oh non, il est dans l'eau! Scrollez sans vous arrêter pour vous maintenir à la surface. Oh, je suis une machine. Je suis une machine. Allez, viens m'aider. Mais viens m'aider, Charles. Mais pourquoi il vient pas? Mais tu jettes l'ancre, putain, tu viens, bordel. T'as regardé One Piece un peu? Il a pas regardé One Piece, c'est sûr, il a pas regardé One Piece, ce con. Il se barre. Il se barre. Reviens, bordel. Mais oui, reviens, mec. Attends, je scroll comment? J'ai jamais scrollé comme ça, mon gars. Il se barre, le con, il s'en bat les steaks de moi, quoi. Mais pourquoi il y a eu? Oui, pourquoi? Attends, mais je suis tout émoustillé là, je comprends pas. Pourquoi cet homme a abandonné? Attends, on est seul au milieu de l'océan, mais mes chances de survie, moins 10%. Allez, putain, je scroll comme un gros porc. En fait, le but c'est de tenir le plus longtemps possible. Mais attends, wow, pourquoi ça part dans le rouge? Oh mon gars, je suis carrément en train de me muscler le bras gauche, c'est incroyable. Comment se muscler le bras gauche de manière ultra efficace? Eh, no fake, j'ai archi mal au bras. Et allez, Charles, reviens, Charles, fin de la blague. Charles, c'était hyper drôle, fin de la blague. En plus, j'ai dû me blesser, non, en me prenant le mât. Obligé, je suis blessé, il me faut des soins. Et c'est pas le requin qui va me soigner, hein. Allez, s'il te plaît, Charles, je t'ai laissé copier sur moi en CE2, viens. Le mec, il est déjà à 1000 km, quoi. Il est sur une île posée en train de construire un abri. Il a rejoint les mecs de The Forest et de Stranded Deep. Excellent. D'accord, donc on est vraiment en train de. Oh, il a sa pompe. Il a une idée. D'accord, ah, retirer un peu de poids. Ou alors non, juste c'est pas confort. Non, on résiste. Eh, j'ai fait une technique de pro. Regardez, on est carrément voilà, sur face, on touche le ciel. Putain, je suis un pro scroller, mon gars. Non. Charles. Ah, putain, merde, j'ai envoyé la souris sans... Ah. Attends, où est le game? Non. Attends, on était carrément immergé dans le simulateur. Et moi, en fait, je scroll comme ça. Et à un moment, ça a fait comme ça. Attends, je veux savoir la fin, là. Est-ce qu'il s'en sort? C'est parti. En plus, on va revoir un jeu d'acteur hollywoodien. Hé, hey, quelle belle journée, là. Oh. Ouais. Ça va? En fait, c'est le haut. Il est vraiment c'est pas sûr, sincère. Hein. Ok, c'est reparti. On vient de retomber à l'eau. Eh, ça me fait paniquer sans déconner. Vous avez vu comment c'est noir en plus sous l'océan? On voit que dalle, mon gars. C'est les ténèbres. Reviens. Putain, tu prends la barre et tu fais un 180 avec. Et tu fais un petit kickflip avec le bateau après. Mais ça met mal, je vous jure. En plus, c'est ma putain. Regardez comment c'est noir. Qu'est-ce que tu peux faire quand t'es comme ça seul au milieu de l'océan et que t'es en train de te noyer? Qu'est-ce que. Je me demande, c'est quoi le meilleur réflexe? C'est de trouver une cloche pour pouvoir respirer sous l'eau? De tuer un poisson et de respirer dans son corps? Anecdote, pendant qu'il jette ses chaussures, parce qu'on a déjà vu, j'ai fait me noyer une fois à la piscine municipale et j'ai vraiment cru que j'allais crever. Je suis sorti de l'eau, j'ai craché de l'eau des poumons. Bah, c'était spectaculaire. J'ai ramené une fille à la maison après ça, je vous le cache pas. C'est faux. Ok, on a été là, parfait. Cette fois, je jette pas la souris, vous en faites pas. Je veux savoir comment ça. Est-ce qu'il arrive à être sauvé, je sais pas, par des pirates? Allez. Ah non, non, mais non! Putain de souris de merde avec les boutons sur le côté! Ça! Reviens, putain! Reviens! C'est génial, avec les yeux, tu t'as dit. Vire à droite! Ok, il vient de retirer ses pompes, on en est là, on en était tout à l'heure. Cette fois, je fais très attention, promis. Je vous autorise tous à mettre une claque si je refais pour le truc, parce qu'à un moment, ça va les conneries. Du coup, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il va construire un radeau? Il ramasse, je sais pas, les petits débris qui passent là dans la mer, bim. Non, il aurait dû prendre le lacet de ses chaussures. Putain, nous on pense direct en mode survivor. Allez, tu t'en sors, Julien. Voilà, on en était précisément là à chaque fois. Y'a un bruit? Y'a un bruit? Ah, c'est un hélico? Mais non, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, attends, il s'est pas fait chauffer par un poisson quand même. Remonte, mec! Oui, t'excites pas, tu carbures trop. Allez, on va entendre un petit bruit de paquebot qui fera tenir et ils vont le pêcher. Allez, les gars! Je crois qu'il a mal quelque part. Ah, il a froid, il est glacé, il est gelé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation, mec? Ça me fait paniquer! Qu'est-ce que vous voulez foutre, bordel? Une game d'Overwatch? Je sais pas! C'est quoi ça? Oh, il a une vision! On avait une peluche dans l'eau, bordel! Vas-y, je. Oh, il a un ongle niqué! Ah, c'est dégueulasse! Putain, faut que je scroll comme un porc. Tu fais quoi? Putain! Oh, il s'est arraché un putain d'ongle, mon gars! Oh oui!
Bah non, c'est une vision. Allez, Nemo. Nemo est passé par là hein, quand il cherchait son père. Il aurait carrément pu prendre cet homme sur le dos et le sauver, quoi. C'est quoi ça? Une vision? Encore une vision? Des corbeaux? Non, on mourra pas maintenant. C'est mort. Oui, l'église, non, je veux pas mourir. Là, c'est dur de remonter, mon gars, hein, putain, de plus en plus. Allez, ça le fait. Ah, une... non, je vais mourir. Non, c'est bon. Y'a des sauveurs, mec. Aidez-moi. Attends, c'est impossible de scroller bien, là. Non, je suis mort. Non, je suis pas mort. C'est un bug? Eh ben, je vais me refaire tout le jeu pour la 20ème fois, où est le problème? Ok, on est toujours en vie après la vision du plongeur, putain. C'est incroyable ce qui se passe, bordel. Je donne tout ce que j'ai. Attends, c'est plus fatigant pour nous de scroller que pour lui de nager, je suis sûr. C'est faux. Allez, un bateau vient et nous sauve. C'est sûr. Un mec qui transporte par exemple des iPhones, hein. Il est là et avec sa petite cargaison d'iPhone, il nous voit et hop, il nous chope. C'est une blague? Je suis pas mort, je fais que de scroller, mon gars. Mais non, je suis mort. Oh non. Ah. C'est la fin? C'est la fin. C'est bien les tombes, mais le mieux c'est de pas tomber. Je peux plus m'arrêter de scroller. Je veux scroller jusqu'à la fin. Non. On est mort, c'est sa femme. Il voit sa femme. Oh non. C'est donc ça qu'on voit quand... Oh non, ses enfants. Je scroll, arrêtez. Au revoir. Regarde ce Jean-Michel FDP. Regarde cet enfoiré là. Tu pouvais totalement jeter l'encre et t'arrêter, hein, FDP. Et voilà, notre tête va toucher les fins fonds de la mer. Vous vous êtes noyé au bout de 5 minutes 40. Hein. Waouh, attends, on a bien tenu, hein. On a donné tout ce qu'on avait, hein. En mer, on se fatigue plus vite qu'on ne le pense. Bah, oui, même à la piscine municipale, hein, on se fatigue vite. À chaque sortie en mer, portez votre gilet de sauvetage. Ah, c'est ça le message de fin, c'est ça la morale. Et à la piscine, n'oubliez pas vos brassards, ok? J'approuve totalement ce message, mais malheureusement, je vais très peu à la mer. 9 880 000 personnes ont fait ce truc, putain, c'est énorme, mon gars. Mais voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo sur ce jeu hyper particulier. Bah, j'espère que ça vous a plu. On était totalement immergés dans cet océan dans lequel on est mort. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine. J'ai vraiment adoré. C'est très, c'est très prenant. Même si malheureusement, on a eu 1 milliard de problèmes techniques. On se retrouve très vite dans notre prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.